Oui, c'est surtout ça, c'est que moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est être, je vis dans la représentation, dans le porte-parole pour ces gens-là, parce que je connais que des collègues qui s'expriment pas comme ça, ou qui ont du mal, ou qui veulent pas, ou qui osent pas. Quand même des personnes qui sont en difficulté viennent vers moi, le plus important pour moi, c'est l'écoute. La priorité, c'est de les laisser parler. Puisqu'il semblerait que je suis ouvert à toute conversation et qu'on peut avoir un avis. Je leur donne mon avis, après la personne en fait ce qu'elle veut, mais c'est des conseils, puisque j'ai vécu aussi des difficultés. Donc j'essaye voilà, de les écouter au maximum, de les conseiller un petit peu, mais après je leur laisse leur libre arbitre. Et que ben, si elle tombe sur des difficultés, je les avais avertis. Il faut pas non plus, voilà, il faut qu'ils se rendent compte que tout n'est pas acquis. Voilà. Et donc il faut qu'ils réfléchissent que s'ils ne font pas un minimum de démarches, un minimum de déplacements, ils stagneront, ils resteront dans leur situation. Donc c'est toujours dans la politique de l'aller vers. Moi je suis dans la politique de l'aller vers. Qu'elle peut être une personne importante ou un copain à moi, une copine, ou ma voisine, mon voisin, c'est l'aller vers. Pour moi il n'y a que cette solution-là. Et d'autant plus qu'aujourd'hui on vit dans une société de clics et que pour moi, j'ai connu que des déclics. Voilà. Et aujourd'hui, cette société de clics, je la vis très mal. Parce que pour moi, le meilleur moyen d'arriver à se comprendre, c'est de se parler de vive voix, de se regarder face à face, de se dire les choses. Et que le portable, c'est très bien, mais en cas de première nécessité, quoi. Voilà.